52 ans. Je suis marié et je suis père d'une petite fille, Amina, que je n'ai pas revue depuis le jour où j'ai été mise en détention. J'ai été arrêté le 1er avril 2008, soupçonné de terrorisme, sans aucune preuve. Je n'ai jamais cessé de déclarer mon innocence. Des réveils au coucher, comme dirait Farida. Ali Memoun, t'oublie pas. Tu aurais pu être mon grand frère, pourquoi pas. J'aurais pu être toi, dans le même désarroi. Je suis sûr qu'à ton échelle, tu m'aurais soutenu 100 fois. Je te connais pas perso, mais à travers les tiens, je te perçois comme un homme de cœur, de foi. Longue vie à toi, Inch'Allah, accroche-toi. Du plat pays jusqu'à toi. Même entre quatre murs, sache qu'on ne t'oublie pas. Qu'on laissera pas ta voix sans voix. Au nom du jeu, du tu, du nous au monde entier, on fera tout pour faire éclater la vérité en ceux et celles qui tenteraient d'étouffer le souffle de l'équité. Innocence est écrit en toi, de tes réveils au coucher, tu seras bientôt là. Patience, toi comme vous. Liberté. Mais...
dommage. Ne vous arrêtez surtout pas. Nous comptons sur vous. Je vous remercie tous du fond du cœur. Et mon enthousiasme grandit de jour en jour. Qu'Allah veille sur vous tous pour ce magnifique travail. Vous êtes ma source d'inspiration, croyez-moi.